Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Bah super, j'ai presque plus de batterie sur l'ordinateur. Je suis un peu... faut que j'arrête de m'excuser à chaque fois qu'il y a un truc dans... Il y a des mouches, j'ai envie de les tuer, j'en ai marre. J'ai fait du nettoyage hier et là j'ai encore des trucs à faire, faut que je fasse la vaisselle. J'ai un colis à recevoir, en fait j'ai commandé... Ah oui d'ailleurs, j'ai fait... Je vais vous éviter un truc. Alors bon, vous aurez ce vlog malheureusement... Dans la semaine prochaine, j'ai fait une story en fait. Donc je vous le redis quand même ici. En gros, je vous explique. J'ai l'impression que c'est de travers. Je sais pas si vous le savez, mais il y a des produits que je vois, que j'ai déjà vu un petit peu sur les réseaux, TikTok, Instagram, machin. Et la marque Pink, je sais pas quoi. C'est ceci. Voilà, c'est cette marque-là. J'ai vu plusieurs fois, comme je vous ai dit, sur les réseaux et tout et tout. J'en avais entendu un petit peu de bien, etc. etc. Alors d'habitude, sur certaines choses... Je ne suis pas très... comment dire? J'essaie de pas non plus me faire avoir ou quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... On vous fait croire que c'est trop bien, puis en fait, c'est pas aussi bien qu'un autre produit de nettoyage, par exemple. Je parle pas que des produits d'entretien, je parle de tout en général. Le truc, c'est qu'en fait, je me suis laissée tenter et je les ai cherchés, je les ai trouvés sur Amazon. Faut savoir qu'Amazon, là, je sais pas comment dire. Ils veulent pas commander sur internet. Il y en a, ils préfèrent acheter en magasin, machin, machin. Je comprends tout à fait. Moi, j'aime bien un peu des deux. Des fois, sur Amazon ou d'autres sites, on peut trouver des choses qu'on trouve pas ailleurs. Je m'étais dit, ces produits-là, c'est sûr qu'on les trouve pas ailleurs. Parce que, bon, magasin, en tout cas, j'ai jamais vu. Et je me suis laissée tenter. Et en fait, parce que j'ai acheté trois produits. Donc, vous avez celui-ci. Donc déjà, l'inconvénient, c'est que c'est écrit en anglais. Vous avez un produit un peu gel, vous savez, pour nettoyer les éviers et tout. Vous avez la pâte. J'en ai eu pour 22 € pour les trois. Au début, je me suis dit, bah c'est quand même pas mal. Donc je... Ouais. C'était quand? Hier, je suis allée à... J'ai regardé mes mails et j'ai vu que j'ai été à Stokomanie la dernière fois dans le vlog que vous avez vu. La femme m'avait demandé mon mail. De ce coup-là, maintenant, je reçois des mails de Stokomanie. Le truc, c'est que... Je vais dessus parce que ben, j'ai vu pour les trucs d'Halloween, je me suis dit ben, je vais regarder en avance comme ça, c'est au cas où je vais pas à la Stokomanie pour rien. Et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, je marque je sais pas quoi et je tombe sur ça. Là en fait, qui les produits Stokomanie? Ce n'est pas grave, c'est le prix en fait. Gros, le prix, ça c'était quoi? 2,99 €. La pâte aussi. Et un autre produit, donc celui-là par contre je l'ai pas, c'est le gel WC. Il coûtait 2,49 €. Ah, je vous prie de croire que j'étais très saoulée. Parce que bah, quand on calcule 22 € divisé par 3, ça fait 7 € le produit. Oui, je fais le calcul avant parce que je ne sais pas faire les divisions. 7 €, ça, vous rendez compte? Au début, vous voyez, quand c'est un lot, vous vous dites, ouais, 20 €, c'est pas très cher. Mais finalement, quand on calcule le produit 7 €, j'ai déjà du mal parfois à mettre des produits du style acheter 2-3 € un truc. Mais alors ça, 7 €... Oh Dieu, mais pourquoi je suis aussi débile? D'habitude, je ne me fais pas avoir comme ça. Punaise, j'en ai marre des mouches. J qui se frotte. Oh, ma fouvouin. Qu'est-ce que tu fais? T'es trop belle. Il y a un volant de truc de badminton. Je sais pas ce qu'il fout là. Oh là là. Ouh. Les amis, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver un petit peu. Je vais mettre une petite tenue et je vais faire une petite séance de sport. Oui, vous avez bien compris. J'ai très envie de m'y mettre. Le problème, c'est qu'en fait, vu que des fois, je suis un peu démoralisée et tout, j'ai envie de rien, ça me saoule et ça m'énerve d'être comme ça. J'ai très envie de m'y mettre, tout doucement mais sûrement. Même si je perds pas vite, c'est pas grave. Le principal, c'est que je me sente mieux au fur et à mesure du temps. Mon poids, en fait, m'empêche de pas mal de choses. Écoutez, là j'ai fait une mini séance cardio, c'est encore une fois 10 minutes. J'ai pas fini la séance parce que du fait que j'ai rajouté 2-3 minutes de ça, je me suis dit que j'avais mes 10 minutes. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup, mais je vais commencer petit à petit. Re-cucu tout le monde, il est 18h58, André qui est rentré, on va manger.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous partager ce qu'on mange pour vous donner une idée par rapport à... On ne fait pas une alimentation spéciale perte de poids, on mange juste, salut André, équilibré pour justement... Oh, elle m'énerve cette lumière, elle déconne. Je sais pas comment expliquer, on veut perdre du poids, mais je veux dire... André, voilà, il a fait un menu adapté. Là, ce soir, c'est saumon avec des pâtes. C'est pas cogné, j'ai entendu un bruit. La minette qui joue à ses cogniers. Ça s'appelle comment ça? C'est une jardinière de légumes? Non? C'est une jardinière basket, c'est des olives. Ouais, voilà. Alors, il y a des oignons, poivrons, olives. Alors, bon, c'est pas du maison, c'est acheté. Parce que bah, des fois, on n'a pas. Je sais pas qu'on n'a pas le temps, mais comme je vous ai dit dans le vlog précédent, c'est beaucoup André qui fait à manger un certain temps. Là, c'est moi qui ai fait. Alors oui, il n'y a pas d'assaisonnement, parce que des fois, j'ai pas envie. Là, par exemple, du fait que les olives, c'est un peu salé, là, je trouve, pour ma part, punaise, j'en ai marre, hein. Ça rime en plus. Je trouve pour ma part que j'ai pas besoin de salé, parce que les olives, c'est salé. Donc, je ne sale rien. Par exemple, le saumon, personnellement, je l'aime bien comme ça. Je ne sais pas le cuisiner autre. Donc là, en fait, c'est la première fois que je fais du saumon. D'habitude, c'est lui. Mais c'est pareil, il ne l'assaisonne pas parce que j'aime le saumon sans rien. Mère a déjà fait du saumon avec de l'assaisonnement. Je ne sais plus quel genre d'assaisonnement. J'aime tout autant parce que après, ça reste la cuisine de ma maman. Mais là, je l'ai fait en gros. C'est au bain-marie que ça s'appelle. Voilà, il était congelé. C'est ouais, du... Tu peux le faire cuire au bain-marie, tu peux le faire cuire au micro-ondes, tu peux le faire cuire... Gris. Voilà, donc en gros, c'est un... Oh, bordel de... Donc, on a fait bouillir de l'eau et j'ai mis le saumon dedans. Donc, voilà. Des moments où ouais, je suis un petit peu casse-pied avec... Enfin, c'est pas évident de manger parfois certaines choses qu'il fait parce que c'est un peu chiant. Mais voilà, on pèse nos aliments. Lui, il veut faire comme ça. Moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que les pâtes, bah, du fait que ça... Comme le riz, etc., ça gonfle, donc ça pèse plus quand c'est cuit. Et moi, je n'avais jamais dosé, en fait, les pâtes. Donc finalement, je trouve que c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Voilà, on vous souhaite un très bon appétit. Et en dessert, bon, on verra, j'ai fait le gâteau. André l'a goûté, alors bon... Bon appétit, hein. Portel. Oh, je vais te tuer. Bref, je vous dis un bon appétit et je vous dis à plus tard. Normalement, oui, on devait aller à Action, mais il est trop tard, là. Donc, on ira demain matin après le travail. Donc, on rentre, je fais la piqûre de bidou et on se barre direct. On fera une petite matinée tous les deux. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis à plus tard. Re-cucu tout le monde. On se retrouve le... Excusez-moi, le lendemain. Donc là, il est 8h25 et je vais à Action. Que j'ai envie de voir. Comme je vous avais dit dans le vlog précédent, je crois, je voulais aller voir s'ils avaient mis... Enfin, s'ils commencent à mettre un petit peu plus de déco. On verra bien. Après, j'ai pas envie de trop charger non plus, mais j'ai quand même avoir envie. Oula, j'ai quand même envie d'avoir une ambiance un petit peu vraiment automnale dans la salle. Arrête de te foutre de moi. J'ai voulu faire. Oh non, faire. Vous avez vu comment ces cheveux ont poussé vite. Faire un dégradé de. Oh ma tête, je suis désolée. Mais non, j'ai pas à m'excuser en fait. Ça fait. On s'est... En fait, on a très mal dormi. Ouais, très, très. T'as mal dormi toi ou non? Ouais, réveillé plusieurs fois, tu m'as réveillé, les chambres réveillées, la peau réveillée, tout le monde. Comment je t'ai réveillé? Il faut expliquer. Attendez, premièrement, comme vous le savez, j'ai les piqûres de bidou à faire. Voilà. Donc c'est 12 heures d'intervalle. Donc c'est-à-dire que je fais le matin à 8h30 et le soir à 20h30. Voilà. Tu as un truc à dire? Je sais pas, t'as commencé à vouloir parler, non? Non. Ah, j'ai rien à dire, moi. Bien. Hier soir... Non, hier, j'ai fait à manger assez tôt pour qu'on puisse bah, se coucher un peu plus tôt. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, le fait que je suis un peu démoralisée de tout, j'ai plus envie de faire à manger. Mais là, je sais pas si c'est l'automne. Je vais pas dire que je vais bien, mais je veux dire, j'ai l'impression que je suis un petit peu de bonne humeur. On va dire ça comme ça. Et bah, j'ai... j'ai... Bref, passons, j'ai envie de faire à manger. Et donc, j'ai fait la piqûre de bidou un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que c'est pas pour quelques minutes qu'il y est. On a été se coucher. J'ai. Alors, au cas où, je vais le dire, en fait, les chats sont toujours avec moi la journée. Ils se baladent où ils veulent. Mais le soir, je dors pas avec eux parce qu'ils sont quand même assez casse-pieds. Voilà. Donc, je les mets dans
ils vont dans la pièce là-bas, moi je dors et tout ça. Parce que dormir avec cette chat, parfois c'est un petit peu casse-bonbon, surtout qu'on se lève très tôt le lendemain. Donc, j'avais j'ai Tao, j'avais Didline et j'avais Bidou. Parce que des fois quand même je prends, enfin voilà, vous voyez, j'alterne et des fois ça m'arrive de dormir ensemble. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais bon, bref. Et là, il y avait Didine, Bidou et Tao. Bidou, comme par hasard, il attend la nuit. Alors, c'est pas de sa faute, hein, mais comme par hasard, il faut que ça se passe la nuit où on retravaille. Il a vomi plusieurs fois, au moins trois fois. Et tout, c'est que, bah, bien évidemment, bah, moi, je m'avais un sursaut parce qu'il est sur le lit au moment où il a envie de vomir. Moi, j'ai pas envie qu'il vomisse sur le lit. Bah, je l'ai mis à terre. Ensuite, à un moment donné, il tousse. Il arrête pas de tousser, c'est une catastrophe. Donc demain, j'ai rendez-vous encore une fois vétérinaire. Donc ça, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a revomi, ouais, donc trois fois, comme j'ai dit, donc réveillé trois fois. À un moment donné, le lapin, il a fait du bruit. Même avant de dormir, on a entendu des bruits, comme si que... Parce qu'en fait, les voisins au-dessus de nous ont déménagé. Mais il y a eu des travaux de fait. Et là, on ne sait pas s'il y a des nouvelles personnes ou non. Que voilà, on va à l'action parce qu'il est déjà 31. Donc, je verrai si je filme. Donc, je vais être... Camille, on est tout seul dans le magasin. C'est tellement agréable. Arrête de te foutre de moi. Je vais aller voir si elle est déco. Je vais m'énerver si c'est pas le cas. Ah, oh, bah c'est pas folichon. Ils ont rien mis d'autre, en fait. Je suis désespérée. Pourquoi? On est sorti d'action, on est un géant et là je suis aux vêtements. Franchement, ils ont sorti de. Vu qu'on est dans l'automne, forcément. Enfin, on arrive dans l'automne, forcément, ils ont sorti des choses. Ça, j'ai le même. Mais bon, vu que j'ai des grosses cuisses, ben, ça commence un peu à se craquer au niveau de ben, des jambes. C'est superbe. Si celui-là, lui, je le mets pas souvent encore, mais je pense que ça va pas tarder. Oh my god, j'en voulais un pantalon velours. Mais bon, vu que j'ai des grosses cuisses, j'ai peur que ça m'élargisse trop. Ça, j'aime bien. Par contre, le prix est 30 euros. Assurer ma taille. Puis ici, il n'y a plus de cabine d'essayage, donc on peut rien faire. Et là, il y a des belles choses pour l'automne, là, je trouve. Les couleurs et tout. Cette veste-là, elle est très belle. Elle est fine. Ça y est, les amis, on est enfin rentré. Pas beaucoup filmé action, alors il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est juste qu'en fait, il n'y avait rien à filmer, tout simplement. Je suis allée quand dans la semaine dernière, je crois, je ne me rappelle plus. Je me rappelle même plus. Et eh ben ça change pas de... Mais qu'est-ce que tu sniffes? Y'a rien du tout, hein. Pas de changement, quoi. Je suis déçue, donc ça me saoule. J'ai juste pris des trucs un peu plus utiles, on va dire. J'ai trouvé un liquide vaisselle, alors on en avait besoin. Donc il m'a l'air super liquide. Alors je sais, liquide vaisselle, ça vient de dire ce que ça veut dire, liquide vaisselle. Mais je veux dire, ils sont un petit peu plus épais. Là, il m'a l'air liquide. J'ai pris... Un plumeau, donc ça c'est pour le travail. Et ben, truc d'Halloween et tout, j'ai rien pris puisqu'il n'y avait rien du tout. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Pris pour le ménage, ceci. Ça en fait, j'arrête pas de le voir dans les vidéos de ménage et tout. Alors nous, c'est pas non plus dans l'extrême, mais j'avais très envie pour nettoyer certaines surfaces. Après, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que le mien, il a disparu. Donc moi, j'en mets un autre. Bon, il est gris, après on s'en fout. Hein. J'ai trouvé ça, je les avais vus en vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool. Je crois d'ailleurs que c'est Laurette, la youtubeuse Laurette, si vous la connaissez, avait fait voir ça, je crois. Donc j'ai trouvé les fameux savons détachants au bicarbonate de soude. Savon au... Quoi? Alors, ils sont très bons. Par contre, je viens de voir quelque chose. C'est quoi, savon au fiel de bœuf? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoutez, je ne sais pas trop. Hein. Je sais même pas si les ingrédients sont écrits. Trouver deux bicarbonates de sodium en comme ça. Putain, je me tape avec. Donc, c'est quand même un assez gros pot. Voilà, c'est en poudre. Et voilà. Alors, c'est pour éliminer efficacement les taches sur le linge blanc. On verra bien. Et ensuite, j'ai trouvé ça. Donc, c'est bicarbonate de soude. Vous inquiétez pas, c'était le lit. Hein. Ouais. Ça, ça nettoie des graisses, des tartres et absorbe les odeurs. Donc, ça, c'est plutôt cool. En légère connerie, on va dire, j'ai pris des bonbons. C'est pour commencer pour Halloween. Donc, j'ai pris cela. Alors, ça fait un moment. Je les avais déjà vus il y a très longtemps à Action. Et bah, je suis contente qu'ils les laissent un petit peu. Alors... Des fois, quand on regarde leur tronche, ça n'a pas l'air d'être folichon.
Mais en fait, j'aime bien la texture de ces bonbons. On prend notre paquet et c'est à peu près la même texture, je pense. Donc, on voit pas à travers, mais il ressemble à ça. Je trouvais ça mignon. Donc, c'est Enjoy Mix. En dernière chose, ça, je l'avais vu la dernière fois et personne ne l'a pris. Donc, j'étais contente parce que la couleur, j'aime trop. Et comme je vous ai dit, ça... J'avais envie de faire un truc par rapport à l'automne et tout. J'ai pris un plaid. Oui, j'en ai pas besoin. Mais j'avais trop envie. Et vu que je vais voir aussi pour changer ma housse de couette, je verrai ce que je prendrai. Et ben, j'ai pris ce plaid pour le mettre juste en fait en bas du lit. Et je l'enlèverai quand il y aura les chats parce que ça... Écoutez, j'ai arrêté de parler et je vous dis à plus tard. C'est vraiment pas mieux cette vue. Hein. Avec mon aile. Oh, c'est ça en fait qui est. Mes amis, hein. C'est ah oui, ma... Non, tu mets en route, ça tourne. Ah oui, ça tourne. Ah bon? Depuis tout à l'heure. Il y a ça qui cuit, enfin qui sèche. J'ai reçu enfin une petite commande. Normalement, j'ai peut-être tout. Ouais. De, vous savez, comme je vous ai dit, j'ai acheté quelques trucs pour Halloween. Je vais prendre un ciseau. Désolée, faites pas attention au bordel. Bref, vous avez compris. Donc, comme je vous ai dit, je suis trop contente. En fait, avec AliExpress, je sais pas s'il faut dépasser un certain prix. Mais quand, mettons, vous dépassez, quand vous faites 10 euros, et ben, c'est livré en moins de 10 jours, un truc comme ça. Oh, j'ai pas envie, en fait. Mais putain. Je vais déballer ça d'abord. Pourquoi? Parce que ça, c'est normalement des bijoux. Parce que, si au cas où vous le savez ou pas, pardon, j'ai pas envie de te couper. Ce genre d'anneaux, je les ai achetés sur AliExpress. Et en gros, c'est de l'acier. J'allais dire de l'acide. C'est de l'acier inoxydable. Et en gros, vu que, comme vous le savez, je suis fan de BTS et tout, bah, ils font en fait les mêmes bijoux que BTS ont. D'autres stars aussi de K-pop. J'avais envie de craquer sur un bijou. Ah non, c'est pas ça. Je croyais. Trop bien. Les petites guirlandes. J'explique ceci. C'est des petites guirlandes toutes fines. En fait, c'est pour faire la décoration. Ah non, je vais pas y arriver. C'est pour la déco d'Halloween. Hein. Voilà. Donc, il y a deux couleurs différentes. Je pense qu'on va, tester pour voir ça. Oh non. Ah bah pas du tout. C'est l'étoile d'araignée. J'ai pris deux paquets comme... Arrête de rire. Deux paquets comme ça d'étoiles d'araignée. Donc une noire et une blanche. Bébé. Les roses. C'est ça que je mangeais. Arrête. Les roses. Les grosses. Bouzou. C'est la petite. Le petit modèle 75 et qu'on voit sur les photos, c'est rien à voir. Donc j'ai commandé deux araignées, une à 30 cm. Alors, il est mort de rire. Ça, en fait, les pattes s'extensivent. Oh. Ah, il y a ça. Allez, on va essayer. Mais c'est de l'arnaque. C'est pas du tout ça. Bah ouais, bah tu t'es planté dans tes commandes. Toi. Ah bah non, c'est eux qui ont dit n'importe quoi. Ça, normalement, ça devait être 515 cm. Donc, avec les pattes extensibles. Je dirais que c'est celle qui fait 50 cm. Attends, viens, on fait la miniature. Ma cache, c'est pas la pile. Oh, les enflures. Deux, ils t'en foutent. Pour un truc comme ça. Ouais, deux. Bon, super, je n'ai pas la pile. J'aurais dû mieux lire ça, donc ça me saoule. Parce que ça coûtait 1 euro. Et des boîtes, ça me saoule. Pour ça, oh, retire ça de moi. Pourquoi t'as ce mouvement de tête? T'as pas de cheveux? J'ai l'espoir de toujours avoir des cheveux longs. Ah bon? Dessus. Donc je suis toujours. Ça, c'est jamais. En plus, tu fais du mauvais sens, mais bon, bref. Oui, mais c'est pareil. Bah non. Voilà, c'est mieux. Je peux pas, j'avais pas. Comme ça, je vais pas comme ça. Ah, vas-y, refais l'autre sens pour moi. Non. Si, hein. Non, le mouvement de tête. Bon, les amis.
amis, on vous laisse. Allez, au revoir. Les amis, rectification pour l'araignée. En fait, je pense que tout est bon niveau taille. C'est juste moi qui n'ai pas fait gaffe. En fait, je vous explique. Il y a une image mise pour la vente, forcément, et pour le produit. Et en fait, c'est André qui m'a fait percuter. C'est qu'en fait, l'araignée sur la photo paraît gigantesque comparée à la personne qui a l'araignée dans les mains. Et en fait, il m'a dit, bah, c'est normal, le mec, il met l'araignée en avant, mais lui, il a un peu reculé. Donc forcément, l'araignée paraît beaucoup plus grande que lui. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc la taille, c'est bon, je ne sais plus parler. Donc bref, je vais arrêter de parler, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, ben, je vous dis à plus tard. Kikutsumon se retrouve le lendemain. Ça fait trop du bien, j'ai pris une douche et je me suis lavé les cheveux. Regardez-moi ça, c'est tout mignon. Alors ça fait tout bizarre parce qu'en fait, ils sont quand même très fins vu que je les ai lavés. Puis là, ça faisait un moment là. Enfin, un moment. Ça donne, regardez, ils repoussent. En fait, j'ai ma couleur naturelle et j'ai un mélange de rouge du fait que j'avais fait, vous savez, les racines rouges il y a quelques temps déjà. Et ça fait un peu bizarre quand je regarde à la lumière, j'ai des reflets zarbi. Mais mes racines ont quand même bien poussé, donc je suis assez contente parce que ça prouve que ça pousse. Je les avais coupées quand? Il y a 2 mois. Voilà, donc par contre, ce qui m'embête, c'est que à un moment... si je l'ai dit, mais vous savez, quand on les coiffe pas pendant plusieurs jours, bah le moment où on les recoiffe, c'est une catastrophe parce que bah, tous les cheveux qui devaient partir partent d'un coup, donc forcément ça m'a fait bizarre sur la brosse. Les amis, on va au magasin. Tire un petit peu, attends, je ferme. T'as un sac dans... Si la vue, je pense que vous l'avez déjà vue, la vue qu'on a quand on sort du bâtiment. Donc le bâtiment est juste derrière moi, donc juste là. Et voilà. Et là, quand je pars pour aller faire, mettons, aller à Géant ou je sais pas quoi, je descends là-bas. Et après, entrer dans sa voiture. Donc on va aller à Casa qui se trouve là, ça rime. Si, c'est pas. Je vais essayer de filmer discretos parce que j'ai pas envie de me faire... incendie. Oh merci Lélo. Je disais, où est André? Oh, j'ai vu une citrouille. Ça y est. Il y a des citrouilles. Oh, il y a des petits champignons. Regardez, tout est là-bas. Puis c'est là que c'est trop cher, je vais rien prendre du tout. Non. Oh, même le pouf, il est trop beau. Regardez. Oh, c'est mignon. Oh mais c'est trop zoomé là, désolé. Ça, j'aime bien déjà. 9 balles, ben non merci, c'est un peu cher, je savais bien. Ouais, c'est pareil, c'est combien? 14. Je crois qu'on va rien prendre du tout en fait. Alors je suis sortie des belles petites choses, mais pas assez par rapport à la saison. Franchement, je suis un peu déçue. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas encore tout installé? Parce qu'il y avait une personne justement là où je vous ai fait voir, où il y avait de la petite déco d'automne, elle mettait un petit peu en... en rayon. Peut-être que d'ici quelques jours il y en aura un peu plus. La des seuls trucs qui m'intéressait, c'est une citrouille enveloppée d'un tissu velours. Il y avait une courge aussi, mais c'était 9,95€ le truc. J'ai pas envie de mettre 20€ dans juste deux machins, donc non, on verra bien. Donc là on va aller voir Stokomani puis après on rentre. Regardez, oh c'est mignon. Bah oui, je te l'avais dit la dernière fois. Oh, c'est tout mignon. Allons nous trouver notre petit bonheur. Hein. Oh non, c'est trop mignon. Y a pas autant de trucs, mais c'est déjà mieux que rien. Les amis, nous avons fait des économies. Ça rime. Il y avait... rien. Pour le truc Halloween, franchement, ils ont rien mis. Pour l'automne, pareil, aucune déco, Halloween. Même pas de citrouille, de décoration, rien du tout. Je suis très déçue. Oh, on voit plus. Jiffy, c'est pareil, je vais y aller aussi. Donc, ben, on va faire ça. Puis, ben, peut-être, de toute façon, il faut que je retourne à Action pour les piles. Vous savez, pour les guirlandes là, qui, oui, ils n'ont pas mis de piles. Bref, ben, je sais pas quoi dire d'autre, donc je vous dis à plus tard pour la suite. Oui, que tout le monde, on se retrouve. Je sais plus du tout si j'ai filmé hier, mais en tout cas, on se retrouve. Ben, pour un jour suivant. Là, on va aller à Jiffy pour juste voir ce qu'ils ont mis d'intéressant. Oh, il y a les gendarmes là-bas. Bon, bref, je vous retrouve dans Jiffy si j'arrive à filmer. Les amis, on a à peine tourné pour se garer. Oh, ça va. Il s'est fait mal. J'ai vu de la déco d'Halloween, je suis trop contente.
On va voir si ça vaut le coup ou pas. On voit déjà en haut. Oh, je peux pas y aller. Ça me fait peur. Oh, c'est beau. Vache, c'est énorme. Wow. Oh, je suis trop contente. Mais c'est quoi tout ça? Ah, c'est ça que je vous ai parlé, je sais plus quand là. Oh la vache. T'as vu tout ce qu'il y a? Ça, ouais, d'euros plus. Punaise, tout ce qu'il y a, je suis choquée. Wow. Regarde ça. Mais c'est trop bien. Il danse de la joie. Attends, filme-moi. Regarde. Elles sont trop belles, les décos, par contre. Il y a des moules. Hein? On met le paquet là cette année pour la déco, je trouve. Je trouve que ça fait pas si peur que ça. C'est une moule trop mignon. Et les prix, ça va encore, on va dire. Petite blessée. Oh, elle est trop belle là, la jarre. Mais j'en ai déjà, donc non. Trop mignon. Re-cucu tout le monde. Donc, on est rentré depuis une bonne heure à peu près. On a été à Jiffy, comme vous avez pu le constater. J'ai juste pris en tout 4 choses. Je vais vous retourner parce que franchement, j'ai la flemme de me lever. Puis de toute façon, là, il est quelle heure? On va bientôt. Pas encore. Quoi? Enfin, bientôt. On a encore une demi-heure avant d'aller au travail. Mais je dois faire la piqûre de Bidou. Un tout petit peu avant, dès que je fais la piqûre, on s'en va. Alors, faites pas attention aux meubles, de toute façon ça va, il y a plein de choses qui vont partir. Pourquoi? Parce que tu peux passer, vas-y. J'ai pris cette citrouille là, donc c'est en plastique, elle est argentée, comme vous pouvez le constater. J'ai trouvé trop belle, elle coûte 1,79€. J'ai pris la même en fait en orange, parce que voilà, et la même là-bas en noir. J'ai pris ça. Ça, vous allez me dire pourquoi? Parce que j'en avais acheté une. J'en ai acheté une action, on est d'accord. Hein. C'était une citrouille aussi. J'en ai pris une là, mais elle n'était pas très chère. Donc là, j'ai pas forcément de piles. Je sais plus où je les ai mises. Mais de toute façon, dans pas longtemps. Et bah, je vais vlogger tout ça dans le vlog prochain. Parce que bah, il nous reste une semaine avant le mois d'octobre. Donc je pense que dans la semaine du mois d'octobre, on va commencer. Excusez-moi, à installer. Bonjour, Tao. Installer les décorations d'Halloween, voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve. Alors, aujourd'hui même, nous sommes le 1er octobre, mais je tenais, dégage la mouche, ça commence bien cette histoire, à terminer le vlog ici, parce que j'en avais commencé un autre, j'ai oublié, et j'aime pas, entre guillemets, terminer un vlog d'un, quand il y a un mois qui se termine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais voulu, vous voyez, terminer le vlog le 30 septembre et recommencer un vlog le 1er. Mais bon, vu que je suis un petit peu... voilà, et eh bien voilà. Donc, je tenais à terminer ce vlog-là. Je n'ai même plus parlé. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais plus.